Pour 16 sur 28, on peut écrire 16 sous la forme 4 au carré. Et 28, c'est 7 fois 4. Alors, 4, c'est 2 au carré. La même chose pour 125. Alors, 125, c'est 25 fois 5, oui. Sur 49, c'est 7 au carré. Plus le 25 ici, c'est 5 au carré sur 7. Pour 25, alors on peut voir 25 comme 5 au carré. On ajoute les racines. Alors maintenant, je sépare les racines. Donc, on a 4 carrés. Alors, je vais écrire cette fraction sous cette forme. Donc, c'est 4 carrés sur 2 carrés fois 1 sur 7. Alors, ici, je peux changer cette forme et écrire comme ça. C'est 4 sur 2, le tout au carré. Et ici, c'est 1 sur 7. On peut encore simplifier. 4 sur 2 n'est autre que 2. Voilà. Et j'ajoute les racines en séparant. Donc, c'est la racine de 1 sur 7 et la racine de 2 au carré moins. Alors, j'effectue la même chose ici. Donc, c'est 5 sur 7, le tout au carré. Parce que c'est 5 au carré sur 7 au carré fois 5. Et j'ajoute les racines. Voilà. Plus. Alors, maintenant, je peux séparer le dénominateur, la racine sur le numérateur et le dénominateur. Donc, ça donne racine 5 au carré sur racine de 7. Alors, on remarque que les carrés peuvent éliminer les racines, comme ça. Donc, carré pour 2 élimine la racine. Il nous reste seulement fois 2. La même chose ici. Alors, la racine s'élimine avec le carré et on obtient 5 sur 7, tout simplement la même chose dans le troisième terme. Voilà. Alors, pour le premier terme, pour ce facteur, la racine de 1 sur 7, c'est 1 sur la racine de 7. Et je vais multiplier par racine de 7 le dénominateur et le numérateur pour éliminer la racine carrée du dénominateur. Alors, ça donne finalement racine de 7 sur 7. Et voilà, donc je vais remplacer racine de 1 sur 7 par la racine de 7 sur 7 dans ce terme et aussi dans ce terme. Alors je remplace la racine de 1 sur 7 par sa valeur sans la racine au dénominateur. Donc ça donne racine de 7 sur 7 fois 2 moins. Donc ici c'est 5 racine de 5 sur 7 plus si je remplace racine de 7 dans le dénominateur par racine de 7 sur 7. Donc ça donne 5 racine de 7 sur 7. Normalement c'est racine de 7 fois 5 sur 7 et j'ai commuté racine de 7 avec 5. Donc c'est racine de 5 fois 7 sur 7. Voilà. Donc maintenant, je peux écrire le tout sur le même dénominateur, c'est 7, puisque ça apparaît dans tous les tas. Et il nous reste 2 racines de 7, moins 5 racines de 5, plus 5 racines de 7. Alors si on simplifie encore, donc 2 racines de 7 plus 5 racines de 7 n'est autre que 7 racines de 7, moins 5 racines de 5. Pardon, racine de 5, le tout sur 7. Alors on peut laisser l'expression comme ça, sinon on peut simplifier. Donc c'est racine 7 sur 7 moins 5 racine 5 sur 7. Et si je réduis 7 avec 7, il nous reste racine de 7 moins 5 racine de 5 sur 7. Et voilà, je pense que c'est la valeur simplifiée de l'expression. Si vous pensez qu'il y a une autre méthode ou bien il y a quelque chose de plus simple, n'hésitez pas de le mentionner dans les commentaires.
Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.